J'ai repéré un groupe de mouflons, ouais, okay. 200-300 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à remonter par la piste là. Okay. Après, on recoupera jusqu'à un caillou. Puisse t'installer pour voir. C'est ceux qui avaient passé le col tout à l'heure. C'est ceux qu'on avait passé le col tout à l'heure, mais il me semble quand même qu'il y en a d'autres qui sont venus rejoindre le groupe. Donc on va essayer de s'installer, là on en a pour 5 minutes là sur un caillou. Ouais. Qu'on puisse voir ce qu'on fait. Avec un. Allez, on y va. Magnifique journée, avec un animal que j'adore chasser, qui reste pour moi l'un des ongulés le plus difficile à chasser. On l'a encore vu encore ce matin. On a vu beaucoup d'animaux et puis si on regarde bien, les approches sont toujours difficiles. C'est un animal qui se cache assez rapidement, qui nous voit à travers les buissons, donc on se demande toujours comment il fait pour voir comme ça. Et puis moi j'adore cette chasse, quoi. Et puis surtout j'adore le biotope parce que ça nous change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Non seulement je prends du plaisir à le chasser, mais aussi je me réjouis déjà d'avance de le cuisiner. Là, on récupère pratiquement tout, quoi. Donc les deux gigues, les morceaux nobles, ensuite la selle, les filets, les côtelettes. Là, je vais même servir les côtelettes premières, là. Ce qu'il faut, c'est faut vraiment dénerver un maximum, quoi. Et puis après, avec toutes les parties du collier, les parties de troisième, ce qu'on appelle de troisième catégorie, c'est tous les bas morceaux. Ben, là, on va pouvoir faire des terrines, on pourra faire des ballottines, on pourra faire plein de choses, quoi. Mais moi, j'adore personnellement, c'est mon animal, un des animaux préférés à chasser, quoi, avec le chamois. Par sa difficulté de la chasse et par aussi le fait de traiter toute cette venaison. Quoi. Ce que je dirais que ma particularité, c'est non seulement de les chasser, mais en plus de ça, de les cuisiner. Pratiquement tout ce que je chasse, je le cuisine, donc dans le petit et le grand gibier. Voilà.